Salut à tous, French John, et oui, de retour sur YouTube pour des nouvelles vidéos. J'ai récupéré ma Bora, et ouais, depuis tout ce temps, j'ai pas fait de vidéo sur YouTube par rapport à ça. Donc la Mégane, elle est en vente, et oui. Et nous, on va se focaliser sur la Bora parce qu'il y aura énormément de contenu dessus, et oui. Parce que j'ai récupéré un tas de pièces. Donc voilà, on va pouvoir faire le contenu sur la Bora. Et aussi, il y aura une nouvelle voiture sur la chaîne. Voiture projet. Je ne vais pas en parler tout de suite. J'ai déjà récupéré quelques pièces pour la voiture. Mais on ne va pas en parler dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour pouvoir présenter le projet, ce qu'on compte faire dessus. Et voilà, donc franchement là, je suis content. Parce que là... J'ai passé ces quelques jours, enfin on va dire ça fait à peu près une semaine et demie, deux semaines que j'ai récupéré la Bora. Il y avait encore deux, trois petites choses à fignoler dessus. Mais bon, ça a été fignolé avec un très bon ami à moi. Là maintenant, la Bora, elle roule, il n'y a pas de problème. C'est vraiment des petits fignolements et tout ça, mais bon, c'est tranquille. Mais en tout cas, la Bora, elle est de retour sur la chaîne, donc du coup, ça va être un délire. Et aujourd'hui, encore une vidéo spéciale. Parce que non seulement j'ai récupéré la Bora, mais aussi on va installer une nouvelle pièce sur la Bora. Et oui, j'ai un ami à moi, Gevan, qui habite au Canada. Et je suis sûr que là maintenant, vous comprenez, vous commencez à comprendre où on va y aller. Ça fait un petit moment que je cherchais des candy canes pour la Bora. Et du coup, j'ai mon ami qui a récupéré les candy canes et il me les a envoyés. Et du coup, je les ai reçus aujourd'hui. Donc du coup, on va enlever tout ça, on va déballer tout ça. Comme ça, vous allez voir un peu. Je ne vais pas faire la vidéo de l'installation, tout ça, parce qu'il y a déjà une vidéo là pour l'installation des feux arrière. Donc du coup, je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste vous montrer les feux et je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis voilà. Non, franchement, je suis hyper content. Donc voilà. Donc rejoignez-moi. On va installer les feux arrière. Déjà, on va à la présentation des feux arrière et ensuite on va les installer. Donc, c'est parti! A tout de suite! Voilà. Ils sont magnifiques. Donc, justement, les candy canes, parce qu'on avait déjà essayé les jelly, ça faisait plutôt bien, mais on voyait pas bien. Mais du coup, quand on regarde. J'ai les à côté, le blanc reprend un peu le gris, donc je pense que ça fera ressortir un peu plus. Ça fera ressortir un peu plus le gris. Voilà, on va installer tout ça. Petite chose à savoir, entre les feux européens et les feux provenant des US, Canada et autres. Juste ici, là, vous avez le trou pour les anti-brouillards. Sur la version américaine, vous ne l'avez pas. Et ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra percer. Il faudra faire un trou. Justement, de façon à ce que vous puissiez mettre l'anti-brouillard. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'utiliser la version américaine que vous voyez là, de toute façon, les deux sont identiques. Hein. La version américaine et la version européenne, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Vous voyez, c'est identique. Mais eux, ils l'ont enlevé. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et ils l'ont directement sur le côté. Voilà. Donc nous, on va utiliser ça pour pouvoir le placer dedans. Et on va percer un trou juste ici. Et on va faire pareil avec l'autre feu. Et voilà. Et voilà, c'est percé. Comme les européennes.
c'est percé. Et du coup, on va faire un test pour voir si ça rentre. Hop. Hop. Alors, on va faire un test. Et voilà, tranquille. Donc du coup, comme vous pouvez voir, les anciens feux. Et comme je vous avais dit, je ne vais pas vous montrer. Donc on va faire un petit tour de magie, ce sera plus simple. Donc du coup, les feux avant. Et après. Voilà. Hyper satisfait du rendu. Je suis trop content. On va aller laver la voiture et puis on va se faire une petite cinémato pour voir un peu ce que ça donne. En tout cas, très content du rendu. À tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je suis content du résultat. Franchement, j'aime beaucoup les Candy Cane. Ça fait un petit moment que je les regardais. Donc du coup, franchement, je suis vraiment satisfait des Candy Cane. Les feux arrière d'origine seront en vente. Ou je sais pas, on verra bien. Pour ceux qui en ont besoin, on ne sait pas. C'est en vente. Et les phares avant aussi seront en vente parce que j'ai récupéré d'autres Xénons. Les vrais, ce coup-ci, les vrais Xénon. Du coup, ceux-là, les phares avant aussi seront en vente très bientôt. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo tout autant que moi, je l'ai faite. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à considérer vous abonner si vous aimez le contenu. Et je vais continuer à en faire davantage sur la Bora et bientôt sur le nouveau projet. Voilà. Ciao, ciao.